Hello, bienvenue à vous dans ce tutoriel. Aujourd'hui, c'est juste un petit tutoriel qui va vous permettre de convertir GPT en MBR ou encore de convertir MBR en GPT. Premièrement, pour commencer, vous allez faire Windows R. Vous allez taper CMD. On va entrer dans CMD. Vous allez taper maintenant Disk Part. Comme ça, vous validez. Vous faites oui. Et par la suite, vous allez taper Liste Disk. Pour voir la liste des disques durs qui sont sur votre ordinateur. Moi, j'ai deux disques, disque 0 qui est le disque dur, voilà, par défaut de mon ordinateur, et disque 1 qui est une clé USB. Et maintenant, si vous voulez convertir un de ces disques-là en GPT ou en MBR, c'est simple. Vous allez sélectionner le disque. Par exemple, on va faire Select disque 1. Je valide. Et puis, je fais maintenant Convert MBR pour convertir en MBR. Une fois que c'est terminé, il vous suffit seulement de faire exit pour quitter. Parce que je ne peux pas convertir ça parce que c'est une clé USB externe. Donc ça passe souvent avec les disques durs, mais ça ne marche pas avec les clés USB. Si c'est les disques durs, vous pouvez convertir. Vous faites ça seulement, vous validez et après ça, vous faites exit. Et puis c'est tout. Vous venez de convertir en MBR. Même si c'est pour convertir en GPT, vous faites même chose. Convert GPT et automatiquement vous allez convertir le disque en GPT. Et voilà, c'est tout pour les tutoriels d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de commenter et d'inviter vos amis à venir s'abonner à la page et à notre chaîne YouTube. Merci la famille, vous êtes notre force.